Bonjour à vous mes clochettes, aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation d'une de mes boxes chouchoutes. Il s'agit d'une box beauté et il s'agit de la Glossy Box. Alors on a le packaging lambda tout rose hein, pour ce mois d'avril. Voilà, on le connaît tous. On aime bien, hein, n'est-ce pas, quand les boxes sont joliment présentées. Bon là c'est pas le cas. J'espère en tout cas que le contenu sera à la hauteur de mes attentes. Et nous avons là donc un petit nœud et un papier de soie dans lequel sont contenus tous les produits. Et je suis en train de me dire, j'ai complètement oublié, vous savez, de scanner le petit QR code. Si toutefois j'en ai un. Eh bien écoutez, j'en ai un. Il est juste là. Le thème c'est Spring Awakening. J'espère bien le dire. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je le scanne et je reviens. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Donc pour le teasing, salut les glossies, c'est enfin le mois d'avril et vous savez ce que ça veut dire. Nouveau mois, nouvelle box qui vous attend. Dans cette deuxième édition de notre collection Spring Awakening, nous avons 5 nouvelles petites pépites pour vous aider à plonger dans cette saison printanière. Avec des produits et des marques reconnues, telles que Eclaskin et Baïja Paris, j'adore cette marque, je suis trop contente, idéal pour donner un petit coup de boost à votre étagère beauté. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? Je vais vous dire ça de suite, et ben on passe directement au produit. Alors, je vais prendre le tout premier qui était Eclaskin, ouais, je l'ai, bonne pioche. Ça se présente comme ceci. Nous avons 100 ml et nous avons là une eau micellaire qui coûte 34,45 €. C'est super cher. Donc j'ai hâte de tester pour voir ce qu'elle a de plus. Hein. Une eau nettoyante douce et efficace pour se démaquiller, infusée d'extrait de romarin. Ah, peut-être que l'odeur ne me plaira pas. Elle aide à apaiser et à préparer la peau pour l'étape suivante de votre routine. L'extrait de romarin est connu pour ses propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à atténuer les rougeurs. Vous appliquez quelques gouttes sur un disque de coton, vous tapotez délicatement sur l'ensemble du visage et vous laissez pénétrer dans la peau. Alors moi ce qui m'intrigue depuis tout à l'heure c'est est-ce que ça sent le romarin? Parce que sinon ce sera pas pour moi. Non? Ça sent plutôt bon. C'est assez doux. On a l'impression d'avoir une infusion quoi. Ça sent super bon. Eh bien, écoutez, ça j'ai très très hâte de tester. Une petite eau micellaire qui a l'air d'être assez luxueuse. Oh, alors attendez. Oh, j'ai ensuite un produit de la marque Lotti London. J'aime beaucoup cette marque. Je vais essayer de le retrouver comme ça. Je l'ai. Je suis sûre que c'est ça. Alors, nous avons donc ce petit produit, mais je crois que je l'ai déjà. Ah, je suis quasiment sûre de l'avoir déjà, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc là, c'est une poudre illuminatrice contour des yeux. Ah, c'est peut-être pas ça. Bon, écoutez, je regarderai. Donc un petit produit un peu make-up. C'est un coût de combien? 3,95 €. Donc en plus de ça, c'est pas cher du tout. Cette poudre aide à fixer le maquillage pour que votre teint reste impeccable tout au long de la journée. Vous appliquez la poudre fixatrice par-dessus le fond de teint en insistant sur les zones de brillance pour un fini mat et naturel longue durée. Vous appliquez généreusement par-dessus le correcteur et vous laissez poser 10 minutes. Ensuite, vous retirez délicatement l'excédent de produit pour révéler un fini parfait qui dure toute la journée. Donc un petit produit make-up, ça c'est trop bien. En plus, c'est une marque que j'apprécie. Donc je vous invite vraiment à la découvrir hein, parce que c'est petit coût et elle est très très bien. Ça me fait penser également à la marque Ciaté que j'aime beaucoup. Un petit peu plus cher Ciaté mais voilà dans la même gamme de prix assez accessible. Donc top. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement on commence bien. Moi j'aime bien. Ah ça un peu moins parce que j'utilise pas. Voilà, tout simplement c'est la marque Brushworks. Ça se présente comme ceci. Et c'est un coût de 6,90 €. C'est un duo de houppettes à poudre triangulaire, comme vous pouvez le voir. Les houppettes à poudre triangulaire de Brushworks sont parfaites pour obtenir un maquillage impeccable. Leur forme triangulaire vous permet d'atteindre toutes les zones du visage. Donc ça, c'est plutôt
pas mal, tandis que leur matière ultra douce garantit une répartition uniforme lors de l'application d'une poudre pour assurer un fini lisse. Ce lot comprend deux houppettes à poudre pour plus de commodité et de polyvalence, idéal à utiliser avec tous les types de poudre libre ou compacte. La houppette à poudre triangulaire est un accessoire indispensable dans toutes les trousses de maquillage, et je pense à la poudre qu'on a eu juste avant de chez Loti. Donc si vous n'avez pas d'accessoire pour l'appliquer, vous pourrez tout à fait l'appliquer avec ça. J'ai ensuite un autre produit d'une marque que j'aime bien. Il s'agit de la marque Ava, comme vous pouvez le voir. C'est un coût de 12 € et nous avons 40 ml. Et là, en plus, il s'agit d'un après-shampoing minéral à l'eau de mer morte. Donc moi, c'est vraiment mon produit préféré, je pense, des produits capillaires. L'après-shampoing minéral à l'eau de la mer morte d'Ava est un produit doux à base de minéraux qui vous permet de retrouver des cheveux doux et brillants. Il adoucit et lisse les cheveux et le cuir chevelu, apporte brillance et douceur, facilite le coiffage et prévient de la casse. Ils sont bien efficaces, hein, les produits de la marque Ava. Est-ce qu'il y a une odeur? Ça sent trop bon. Ah, ça sent super. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir une petite odeur de framboise. Ça sent vraiment très bon. Alors ça, j'ai hâte de tester. Par contre, dans mes souvenirs, je ne sais plus, je crois pas que les produits à Ava démêlent bien. Il me semble pas. Hein. Donc si ça démêle pas chez moi, bah ça me conviendra pas. Donc à tester, on verra bien. On passe aux produits Baïja. Les odeurs sont divines de cette marque. Je l'aime par-dessus tout. Ils ont une gamme festin royal au miel caramélisé, un truc comme ça. Ça sent trop bon. Vraiment, je l'adore. De toute façon, en plus, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Delirium floral, iris et patchouli. Elle sent trop, trop bon. C'est un coût de 8,90 € les 25 ml. C'est une crème pour le corps. Quoi de mieux pour hydrater votre peau que la crème pour le corps Delirium Floral Baïja Paris? L'odeur dure en plus longtemps. Elle contient des ingrédients aux propriétés bénéfiques, tels que les huiles d'avocat, de noisette, de pépins de raisin et de figue de Barbarie bio, ainsi que de la cire d'abeille et de jojoba. Sa texture crémeuse libère un parfum vibrant d'iris et de patchouli. J'en ai encore et je l'ai appliqué la semaine dernière vraiment. C'est de la folie et c'est parfait, je trouve, pour le printemps-été. Ça, mais j'adore. Oh, alors non, c'était pas là. Oh non, oh, comme je suis dégoûtée. Par contre, je suis tellement dégoûtée. En fait, vous pouvez soit recevoir ce produit-là ou sinon, et c'était mon préféré, une mousse de douche Moana. Les mousses de douche de chez... j'ai des rituals, c'est n'importe quoi. Baïja, mais ils sont géniales. Ah, oh, je suis deg. S'il y en a l'une de vous qui s'en sait pas, faites-moi signe parce que je l'aime trop. L'autre, c'était... Alors, il n'y a pas les odeurs, peut-être là. Fleur de tiare en plus. Oh, je l'aime trop. Et 8,90 € pour l'autre. Oh, je suis deg. Bon, je suis contente, mais je suis deg. Vous m'avez compris. Oh, j'aurais tellement aimé recevoir la mousse de douche. Je suis trop triste. Je vais tout tomber du coup. Et puis c'est tout, je crois. Ouais, je crois. Attendez, on a combien de produits là? 2, 3, 4. Attends, j'ai dû en mettre un de côté. Ah oui, l'accessoire. Ah! Du coup, je finis un petit peu en demi-teinte. Je reste sur ma faim. Je voulais tellement avoir la mousse de douche. Ça m'a cassé mon délire là. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, il faut absolument que je m'en rachète de ces mousses de douche, je les adore. D'ailleurs, elles doivent être, j'ai un poil de chat, je pense qu'elles doivent être sur le e-shop de Look Fantastic, je suis quasiment sûre. D'ailleurs, j'ai mon code de parrainage qui vous offre droit à 10 € des 30 € d'achat, je crois, sur le e-shop de Look Fantastic, qui est une mine d'or. Donc, si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et aller le choper pour vous faire plaisir. Je regarde si on a un sneak peek. Oui, alors, hein ? Alors, le mois de mai, avec l'arrivée du mois de mai, adoptez l'énergie débordante du printemps en offrant un voyage rajeunissant à votre peau. Après le froid de l'hiver, notre teint a besoin d'être hydraté et de retrouver son éclat. Créez une routine beauté sur mesure en utilisant les crèmes pour les yeux, les palettes
On va avoir une palette, trop bien. Et les cosmétiques de luxe de votre Glossy Box du mois de mai. On va avoir une palette, trop bien. Je pense que ce sera peut-être une petite de 4 phares. Hein. Laissez cette sélection de pépites vous guider vers des journées ensoleillées qui s'annoncent. J'ai hâte d'en savoir plus. Hein. Clairement, ça m'a donné trop envie là. Une palette. Ouh! Eh bien voilà mes clochettes. Nous avons donc terminé la Glossy Box du mois d'avril. Je reste sur ma mousse de douche Baija. Je suis dingue. Bon, bah écoutez, en tout cas, ça reste objectivement quand même une belle box. J'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Je vous fais tout tout plein de gros énormes bisous, toutes décoiffées. Puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mes clochettes, et prenez grand soin de vous. Bye bye.